Bonjour à tous. Donc avant de commencer à vraiment parler du sujet de thèse et de ce que tout ça comporte, je vais vous faire voyager un petit peu et vous imaginez vous placer dans on va dire une concession automobile. Donc vous rentrez dans la concession, vous regardez tous les modèles de véhicules que vous pouvez rencontrer, donc leur taille, leur couleur, etc. Et vous rentrez dans ces modèles automobiles et vous regardez ce que vous trouvez. Donc on a des sièges, on a tout ce qui compose une voiture. Donc tout ça, tout ce qui englobe ça, c'est des produits. Et ce qui va nous intéresser, nous, dans notre thèse, donc moi particulièrement, c'est la conception de produits et les méthodologies qui sont liées à tout ça. Donc si on revient un petit peu plus dans le passé, donc assez longtemps à la Renaissance par exemple, on se rend compte à cette époque-là que les personnes travaillaient seules. Donc on a un exemple notamment connu de Léonard de Vinci qui lui était dans son atelier, imaginait plein de choses, plein de modèles, de nouveaux véhicules, d'avions, etc. Et il les mettait certaines fois en forme. On avait d'autres artisans qui, eux, partaient d'une idée donnée par leur père, qui faisaient les choses tout seuls. Suite à ça, on a eu comme événement majeur la révolution industrielle. Là, il a fallu créer de plus en plus des éléments, des véhicules, plein de choses, de plus en plus vite. Et pour réduire les coûts, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait travailler les gens ensemble. Donc c'est ça, nous, qui va nous intéresser, c'est de se dire comment faire en sorte que les gens viennent travailler ensemble. Donc on aura des gens qui seront du même métier, des mêmes corps de métier, ou d'autres expertises, d'autres métiers. Si on regarde maintenant au XXIe siècle, on reprend notre exemple de voiture. On a des voitures de différentes formes, de différentes tailles, avec différents styles. Donc on a du design qui va arriver derrière. On arrive sur notre siège, on a différentes assises, donc on sera sur de l'ergonomie. Et bien sûr, on a de la mécanique et tout ce qui va autour. Donc on a plusieurs métiers qui vont se rencontrer, travailler ensemble pour faire la meilleure voiture possible. Pour les aider à travailler ensemble, il y a des outils qui sont utilisés, qu'on appelle des outils collaboratifs, qui vont être différentes plateformes. Donc on a notamment la réalité virtuelle, on a des tables 3D, on a des écrans 3D qui vont venir les aider à comprendre le métier de l'autre pour venir faire le meilleur produit. Le but de ma thèse, moi, c'est d'utiliser ces outils-là pour aider les personnes et de pouvoir quantifier l'impact que va avoir l'utilisation de cet outil-là quand les personnes travaillent ensemble sur l'évolution du projet, puisque la personne va venir travailler à des moments seule. Et à des moments, elle va se réunir avec les autres personnes. Donc moi, le but de ma thèse, comme on peut voir sur le graphique qui est ici au tableau, ça va être de venir prendre les différentes phases du projet, regarder comment on va venir travailler ensemble et comment ça va venir impacter ma donnée. Donc le but, la finalité de cette thèse, au final, si on regarde sur une globalité, ça va être de proposer aux entreprises une méthode pour choisir le meilleur outil possible, au meilleur moment du projet et pour un projet donné. Donc ça va vraiment être de l'aide au choix de la meilleure technologie, du meilleur outil pour aider à collaborer et venir réduire les temps et éviter, comme Léonard de Vinci à l'époque, qui lui mettait du temps à faire sa voiture, de proposer aujourd'hui dans une concession plein de véhicules.